On y croit, on y croit. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue sur Snack. Snack Pass. Le plaisir d'un snack, là là, il est sublime. C'est Metal Gear pas solide, c'est Metal Gear tout mou. Tout mou parce qu'il n'est pas assez dur, contrairement au bec de Doodle qui est là, qui est présent. Et on reprend Snack Pass. Je sais que ça n'intéresse personne, personne ne regarde ces vidéos sur Fantavo Games. Tout le monde s'en contrebranle, mais nous sommes beaucoup trop près de la fin pour abandonner maintenant. Hein. Comme Snack dira en japonais, Akiraminai. J'aime beaucoup trop faire la voix de Schneck pour abandonner ce LP de toute façon, brave gens. Donc on va avancer au-delà du royaume de Cinder et pénétrer dans le Schneckalin, le paradis des Schneck, le paradis total des Schneck, chers amis. On va gambater et on va aller dans le royaume de Blowy. Putain, un Blowy pour moi c'est une petite pipe, hein, mais enfin bon, c'est pas grave. On va aller dans le royaume de la petite pipe et on va donc aller à la falaise fleurée, allons-y. Que du plaisir. Allons-y. Les portes du Schneckala sont ouvertes, Schneck. Tu es le seul résident, car toi seul as pu passer les épreuves sacrées. Ah oui ? Et c'était quoi les épreuves sacrées ? Vaincre les pédonazis de l'espace. Mais c'est injuste. Et comment ils font les autres s'il n'y avait pas de pédonazis de l'espace ? Eh ben, ils avaient la mauvaise religion, Snack. Ils ont foiré leur coup. Ah ben. Allons-y, avec une nouvelle petite musique qualitative. Et là, il y a une barre. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi il y aurait une barre ici ? Pourquoi il y aurait une barre si je n'étais pas pour un passage Schneckré ? Non ! Non, le passage Schneckré ! Hein ? Oh, sliding. Malheureusement, Snake s'est fait avoir. Excusez-moi, donc vous savez très bien, dans mes parties, c'est le principe. Je cherche toutes les petites couilles ainsi que les pièces. Je sais que j'ai raté une pièce dans un épisode précédent au niveau du moulin et je m'en excuse. Ça aurait pu faire le perfect en plus. Du coup, progressons. Progressons, progressons. Regarde, c'est quoi, ascendant Snake? Je pourrais te porter pour te faire traverser. Ah oui? Ça veut dire que tu vas enfin servir à quelque chose à part me la faire lever? Ah bah c'est déjà suffisamment difficile. Je sais pas si t'as remarqué, mais t'es plutôt mou. Au mieux, t'as une demi-molle, Schneck. C'est pas de celle-là que je parlais, mais allons-y. Ah oui? Ah! Je suis un... Encore! Oui! 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 Plus! Plus! Oui! Ah, encore, Doodle, porte-moi vers les étoiles. Non, non, Judas. Ah, je suis désolé, ça me fait rire. Mais c'est un Schneck volant, donc d'accord, c'est une mécanique de game. Ce Schneck est beaucoup trop heureux. Ok, allons-y. Alors, par où on va passer pour choper toutes les... Là, il y a une plateforme. Pour choper toutes les pièces et toutes les couilles. Gauche ou droite? On va commencer par la gauche. Oui, oui, Doodle, porte-moi pour le plaisir. Oui. C'est tellement mignon comme mécanique de gameplay. Honnêtement, je ne peux que conseiller, si vous avez petit frère, petite soeur ou quelque chose, de leur offrir Schneck Pass. Par contre, je vous conseille aussi de rester un peu avec eux pour leur apprendre à jouer, parce que sinon ça risque d'être assez frustrant pour eux dans un premier temps. C'est sûr que c'est un jeu, faut y jouer avec un grand frère ou avec une grande sœur, c'est mieux. Oh oui, oui, j'ai la pièce. Non, 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 le capitalisme. Non, le capitalisme m'a trahi. Ah mon dieu. Karl Marx avait raison. Pourquoi, à propos de la lutte des classes? Ah bah ça je sais pas, je suis jamais allé à l'école. Oh oui. J'ai la boule. Ok, reprenons donc le point de sauvegarde, super. Et allons chercher cette fameuse pièce. Wow.
Non, j'ai foiré mon coup, putain. À chaque fois, je tombe mal. Hein. À chaque fois, je tombe mal. Mes excuses, braves gens. C'est pas grave, on va y arriver. Ok. Donc, souci, on va y aller prudemment en utilisant la fonction que Snake a, qui est de serrer son anus. Qui est de serrer le sphincter. Ok, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Respire, Schneck, respire. Ah, ah, mais j'ai pas de poumons, ah, ah. Mais Schneck, évidemment, t'as des poumons. Ils sont où? Ils sont où? Est-ce que t'as vu ma cage thoracique? Je l'ai perdu, Schneck. T'es un Schneck. Elle est en dessous de toi, ta cage thoracique. Ah oui, c'est vrai. Merci d'ailleurs à tous les gens qui m'envoient des diagrammes de la morphologie des Schnecks. Schneck est très heureux de vous annoncer qu'il sait maintenant où se trouvent ses testicouilles. Impeccable. Mais ça ressemble bien à Schneck de paniquer parce qu'il saurait pas où se trouvent ses poumons. Ça passe! Ça passe! Ah putain! Oh. Ah, je suis bien là. Merci. Impeccable. Bon. Là, il y a pas mal de pics, donc ça m'a l'air assez infernal comme endroit là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être un peu l'enfer. Donc on va essayer de maroufler. La marouflerie. La marouflerie! Pour bien maroufler, dites-le avec des fleurs. Ah non, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, ça... Ouh, attends, ça schneck pas, ça. Hop. Ah, pas de panique, schneck. Voilà, serre un peu. Hop, voilà. Serre. Serre fort. Allez. Serre fort, donne-toi un peu de mou. Fais un nœud, vas-y Schneck, un nœud. Ah non, je peux pas faire de nœud. Oh non, oh non, ah. Les piquants. Je me suis fait avoir par les piques. C'est pour ça. Alors Schneck, t'as vraiment le corps trop mou si tu te fais avoir par des piquants aussi petits. Ah oui? Mais j'aimerais bien t'y voir, toi. Ah ouais? Bah, pas plus tard que la semaine dernière quand j'ai fait l'amour à ma femme. T'as une femme? Et 9 enfants, je te le dis tous les jours, Snake, mais t'oublies. Ah oui? Bonjour, je m'appelle Snake. Et toi, qui es-tu? Je vais t'appeler Doodle. Oui, Snake, c'est bien, Snake. C'est ça, Snake, je m'appelle Doodle, Snake. En vérité, je m'appelle Léon, mais apparemment, c'est le seul nom qui se souvient, donc. Impeccable. Ok. Attends, ne prenons pas de risques. Voilà. Impeccable. J'ai le chaos émeraude. J'ai le cube du chaos. Trop bien. Mais ça m'inquiète. Est-ce que je vais pas choper des radiations et enclencher une mutation génétique, n'est-ce pas? T'en fais pas, Snake. Quand je regarde ton corps, t'es déjà assez bizarre. Tu te rends compte que tu peux respirer sous l'eau? Ah oui? Et normalement, c'est pas possible? Bah non, Snake. Si t'as des poumons, normalement, tu peux pas gérer sous l'eau. Ah non? Ça veut dire que j'aurais dû mourir? Les réactions d'un Snake paniqué. Qui ne sait pas qu'il ne peut pas respirer sous l'eau, en fait. Et tant qu'il ne sait pas qu'il peut pas respirer sous l'eau, il y arrive. C'est les vrais strats, ça. Oh. Ah non! La cruauté de ce monde. Ah. Bon. Je vois pas de pièces. Bon, c'est pas grave. Pas de pièces.
Il y a peut-être une pièce au-dessus. Non, il n'y a pas de pièce au-dessus, d'accord, c'est juste là. Oula, 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 l'erreur ! L'erreur illégitime ! Je vais le payer tellement cher, celle-là. Ah, ah, je suis vraiment trop con. Et je me suis fait avoir juste à cause de ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le repasser, mais de manière experte, regarde ça. Bam ! Regarde, bam ! Bam. Spam. Voilà, regardez. De manière experte, j'ai dit. Voilà, de manière experte. Pour l'instant, on est dans l'expertise. Hop là. Voilà, l'expertise est totale. On n'a même pas besoin. On peut y aller directement sans couper. Voilà. Super. Ah, mais non, on n'a même pas récupéré le Chaos Emerald du coup. Ah, c'est arche. Oh, et j'avais raté une couille. Eh bon. Impeccable. Impeccable. Nous avons donc rattrapé le temps perdu. Tout va bien, tout va bien. Ah non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, un point de sauvegarde, point de sauvegarde. D'abord, ne fais pas le cacou là-bas. Là-bas, on va y aller. En serpentant tranquillement. Impeccable. Ok, très bien. Alors. Oh là là, ça sent un coin à pièces, hein, je dirais. Alors, il y a deux boules et... Est-ce que c'est une pièce? Oh oui, la pièce! Bon. Calcul sur le comment qu'on va procéder. Parce que là, tel que je suis... Voilà, pas mal, pas mal. Bon serpentage, ça. Excellent serpentard. En même temps, Schneck, tu le mets avec le choix-peau magique et il se retrouve à pouf souffle. Donc c'est un peu baisé. Ok, très bien. On va se mettre là et on va patienter gentiment comme un Schneck. Ah oui, je vois ma maison de là-haut. Schneck, tu n'as pas de maison. Oui, mais tout le Schneck à là est ma maison. Il va falloir partager, Schneck. Ah oui. Et qui tu penses qui pourra vaincre les pédonazis de l'espace, hein? Le vrai lore de Schneck. Ah! Impeccable. Impeccable. On fait le haut, on fait le haut. Là en haut, il y a un point de téléporte. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là en fait. Et de là, je pourrais peut-être atteindre. Hey. Ah, ouais, la pièce. Hop là. Facile. Comme le dirait ma maman, c'était simple. Ah. Une autre pièce. Là-bas, une autre pièce. Toodle, est-ce que tu peux me porter jusqu'à l'autre pièce? Oh, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est pas jusqu'à l'autre pièce. Tu devrais faire plus de sport, Toodle. Et toi, tu devrais peut-être avoir un moins gros cul. Ouah, le vent souffle fort. Attention à ne pas t'envoler. Oh non. Oh non. Je... Attends, attends, c'est ça. Oh non, je veux pas m'envoler. Je ne bats pas encore assez de l'aile. Allons-y, allons-y. Oh non ! Oui ! Oui, bien joué, Schneck ! Oui, Schneck ! Ah, ah non ! Ah, je l'avais ! Quel dommage ! Quel dommage, je l'avais ! Ok. Ok, ok, ok. Ok. Oui!
Ah ah ah. Ah non, je glisse. Ah putain, je m'éclate. Vous savez, c'est pour ça que je tourne des épisodes de Schneck sur Fantabob Games. C'est juste pour avoir un prétexte pour faire la voix de Schneck, en fait. C'est tout. Y'a pas d'autre intérêt, sinon. Ah, ah, ah. La panique d'un Schneck. Si je prends le vent jusqu'à droite, ça m'amènera super. Super. Tout est calculé, allons-y. Le Schneck. Oh, le drift. Impeccable. Serpenton. Petit point de sauvegarde. Voilà, ça fait plaisir. Parte-moi. Est-ce que j'ai eu la pièce en haut là? Oui, je l'ai eu. Donc il faut que je remonte parce que là il y a une espèce de mécanisme. Et attends, là-bas il y a des poteaux. Est-ce que j'ai... Oui, apparemment j'ai fait le poteau. Très bien. Il faut juste que je réussisse à attraper le moulin. Voilà, super. Non. Tant pis. Juste que je réussisse à m'enrouler autour du moulin. Voilà, excellent. La musique est cool en tout cas ici. Hein. Moi je m'en lasse pas. Hein. Les musiques sont cool dans ce jeu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des musiques Facebook, mais Dieu que c'est comfy. Dieu que c'est posé. Impeccable. Voilà. Non, dans l'autre sens. Impeccable. Un passage secret. Tout ceci m'a l'air relativement risqué. Mais je suis en confiance. Il est en confiance. On y croit. On y croit. Attends, monte. Voilà, là il y a un poteau. Ok, c'est à ça que sert ce poteau en fait. Hop là. Un champignon. Les vraies découvertes. Dans le sois franc avec moi, je me suis mis dans une sacrée merde, n'est-ce pas? Je pense aussi, monsieur Schneck. Ok, pas mal. Pas mal. Point de sauvegarde. Allez, courage. Courage, Schneck. Super, enfin, on est sorti, Dieu merci. Alors là, il y a une barre. Donc je me pose la question de savoir à quoi sert cette barre. Vous savez, parce qu'à chaque fois que je vois une barre, moi maintenant, je me demande s'il n'y a pas une astuce ou un piège quelconque. Tu vois, comme là, en fait. Là, apparemment, il n'y a rien. Très bien. Je vois une pièce, juste au-dessus, là-bas, sur cette espèce de pont, là. Prenons le point de sauvegarde. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Ah, super. Ok, comment on va faire pour atteindre le dessus? Parce que le vent nous pousse, en fait. Le vent est problématique, ici. Ça passe, ça. Il suffisait de serpenter au-dessus, et voilà! C'était facile!
Ensuite, on se laisse tomber là, doucereusement. Le vent nous pousse, mais on en a rien à foutre. Parce que là, regarde, tac, petite verticalité. Hop, ouais, hop là, on a tout bouffé. Il nous reste que deux couilles. Deux couilles et on a fini. Quant aux pièces, je crois qu'il m'en manque une, hein, après ça. Oh là là, ça ressemble à un coin à pièces, hein. Oh oui, oh oui, oh c'est sale. On va te chercher un point de sauvegarde peut-être d'abord, non? Peut-être un point de sauvegarde. Ouais, ce serait raisonnable. Là, je peux pas tomber. Non, je peux pas tomber. Le point de sauvegarde est juste là. Voilà, impeccable. Le save point. Voilà. Impeccable. Oh non, qu'est-ce que je fais? Non, non, j'ai foiré, je regarde le chat. J'ai toutes les pièces, très bien. J'ai toutes les pièces, j'avais mal compté. Ce qui veut dire qu'il ne reste que deux couilles et ce niveau sera un perfect. Ce qui n'en valait pas le moins, chers amis, pour le premier niveau du Schneckala. Ou du Valachneck, c'est au choix. Oh là 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 là. Ouf. Et voilà la dernière couille. Impeccable. Regardez-moi ça. Sublime. Impeccable. C'est chaud, hein. Je m'amuse plus sur ce jeu que sur Watch Dogs 2. Ah putain. Peut-être en même temps parce que ce jeu a un véritable challenge en fait. Parce que comme je vous dis, c'est un jeu pour petits frères, petites sœurs, mais jouez avec eux, hein. Parce que pas dit qu'ils puissent le finir. Oh là là. Félicitations, Schneck. Tu as trouvé les derniers codes de l'activation des missiles nucléaires. Enfin, je veux dire... Bien, bien joué, Schneck. Félicitations. Tu as sauvé le Schneck à la... J'ai sauvé le Schneck à la... Mais attends. Si je comprends bien, j'ai sauvé le Schneckala en déclenchant la troisième guerre thermonucléaire mondiale. Oui. Ah bah parfait, c'était ce que je voulais. Le Schneck avec un agenda américain. Impeccable. Eh bien, allons-y. Victoire totale. Full score, regarde ça. Et voilà, Serpentifique. Schneck, il faut que t'arrêtes d'inventer des mots. J'invente des quoi? Laisse tomber, Schneck. Je voulais dire inventer des expressions. Ah mais je fais ce que je veux. Impeccable. Et du coup lors du prochain épisode il reste plus qu'un niveau. Oh non, c'est bientôt la fin de Schneck. C'est pas grave, il reste plus qu'un niveau et demi. Chers amis, enfin deux niveaux, Colline Cyclone et un niveau après ça. Dans tous les cas, je vous retrouve dans le prochain épisode de Schneck sur Fantasio Games pendant les vacances du Fanfan. J'ai aucun respect, je le vis extrêmement bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'est ça qui est pan. Ah misère.